Métro, écoute, chez Métro, cette semaine, là, homard. C'est là vraiment, tu sais, on est dans la saison du homard. Là, ça vient de commencer, ça fait près de 3 semaines. Là, écoute, il est encore. La semaine passée, c'était son meilleur prix. Puis cette semaine, ils ont gardé le même prix à 6,99 la livre, ou si tu préfères, 15,41 le kilo. Pour l'instant, cette année, en tout cas, ça a été le meilleur prix. Il n'y a pas eu de meilleur prix que 6,99. Donc, on l'a encore cette semaine. Est-ce que la semaine prochaine, il va rester à ce prix-là? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va monter? Je ne pourrais pas te le garantir. Mais je peux juste te garantir une chose, c'est que c'est le meilleur prix qu'on a eu à date jusqu'à présent. Pour le homard, hein? Ça c'est super. Puis un petit conseil comme ça. Quand tu fais cuire ton homard, on le fait une fois le vivant, on le met dans l'eau salée, là, on check ça comme il faut, la recette, c'est bien ben simple. Mais fais-les cuire à mi-cuit. OK? Moi, c'est ce que je fais, là. J'ai découvert ça depuis ce temps-là, je le fais tout le temps comme ça. Parce que quand tu le fais cuire au complet, qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu viens pour le décortiquer, bien, ça se défait tout, ça casse, la queue casse, les pinces cassent, tout casse quand tu viens pour l'enlever, t'aimerais ça l'enlever de la pince puis qu'elle vienne toute dans un morceau, là, t'es tout super. Mais pour ce faire, il faut que tu le fasses comme mi-cuit. Donc, si mettons ça prend 12 minutes, bien, tu le mets 6 minutes. Après ça, tu le décortiques. Puis là, tu le finis la petite cuisson dans une petite sauce, par exemple, au beurre ou quelque chose comme ça. Là, t'sais, là, pour juste pour le finir, la petite cuisson qui manque peut-être, une petite affaire. Puis là, ça te fait des beaux morceaux parfaits dans l'assiette. Ça fait une belle présentation. Puis c'est plus facile à défaire. Parce que c'est un paquet de troubles, surtout qu'on fait ça quoi, une fois par année. On n'est pas des spécialistes, là. Donc, c'est la meilleure façon, je te dis, là, de décortiquer ça. Des trucs comme ça. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Métro? Écoute, le veau haché maigre. Bon, veau haché maigre, 3,99 la livre ou 8,80 le kilo. Ça, ben écoute, c'est son prix. Quand il tombe en spécial, c'est son prix. Normalement, c'est le double. Donc, c'est comme du steak haché, hein, tu fais la même chose avec ça. On peut faire des hamburgers, on peut faire de l'orzo. On a fait la dernière fois qu'il est sorti, je me suis fait un petit orzo chinois avec justement le veau haché. C'est super bon, c'est différent un petit peu. Des gens, il y a des gens qui ne verraient même pas la différence, on m'a dit, entre le veau et le bœuf haché, là, tu manges en prendre conscience, là, c'est une erreur, parce que c'est tellement bon manger, il faut savourer chaque bouchée, c'est sûr. Parce que regarde, tu sais, le veau haché, cette semaine, c'est là que le moins cher, c'est chez Métro. Qu'est-ce qu'on trouve chez Métro cette semaine aussi? La cuisse de canard confite plaisir gastronomique, la meilleure finalement, à 10,99. Bon, c'est sûr qu'on l'a vu. Le 2 semaines à 9,77 ailleurs, mais quand même, ça vaut 17$, donc à 11$ de 10,99$, c'est, écoute, c'est un très bon prix, là, si tu n'as pas et tu n'as jamais essayé ça. Vraiment, je te le conseille fortement. C'est super bon. C'est juste le problème quand on goûte à ça, c'est qu'après ça, on en veut d'autres. C'est ça l'affaire. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Je t'invite, hein, vraiment, premièrement, à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est là que toutes les vidéos, les recettes sortent en premier. Tu as les listes de diffusion, donc tu peux voir juste la partie IGA ou Maxi ou Super C comme tu veux. C'est sur YouTube, ça se passe, ça c'est sûr. Puis si tu veux vraiment économiser de l'argent puis sauver énormément de temps, ben avec la circulaire de Papa Popote, ben tu peux le faire pour quelques sous par semaine, c'est rien. Puis tu as l'information, hein, puis on sait. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est le savoir. Puis si tu veux avoir ce pouvoir-là, ben, tu peux en t'achetant, en t'abonnant à la circulaire de Papa Popote. Hein? En même temps, tu m'encourages. C'est quand même bien. Fait que, écoute, sur ça, là, je te souhaite là, de passer une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye!